Bonjour, bienvenue dans les combles du château de Romont. Je suis Jennifer Burkhardt, conservatrice au Vitraumusée Romont, et j'ai le plaisir de vous accueillir ici dans la section dédiée au vitrail de notre exposition permanente. L'exposition présente quelque 40 vitraux parmi les plus de 1000 que compte notre collection. Elles permettent de voir des œuvres majeures qui ont été créées pour un contexte bien particulier, une église, une maison bourgeoise, un bâtiment public, de tout près. Le visiteur peut ainsi apprécier la finesse de ces œuvres qui retracent les principales étapes de l'histoire du vitrail en Occident. Les premières fenêtres, composées de verre coloré, sont attestées dès l'Antiquité. Elles étaient assemblées par des croisillons en bois. Mais il faut attendre le Moyen-Âge pour que ces techniques se développent et deviennent un art à proprement parler. Comment définit-on un vitrail ? Il s'agit en principe de verre coloré dans la masse que l'on coupe avec un diamant et qu'on assemble avec des baguettes de plomb. Les vitraux sont d'abord ornementaux et à partir du IXe siècle peuvent aussi être figuratifs. Nous nous trouvons ici devant un panneau didactique réalisé en 1902 par Émile Gerster, un peintre verrier installé à Bâle, qui nomme 18 étapes de la réalisation d'un vitrail. On y voit notamment la mise en plomb provisoire des verres colorés dans la masse et les différentes étapes de gravure, de peinture, on ajoute des cernes. À partir du XIe siècle, on peint les vitraux à la grisaille et dès le XIVe siècle au jaune d'argent. Cette partie de peinture devient de plus en plus importante dans l'art du vitrail. Ça permet de montrer de plus en plus de détails. Et peu à peu, la composante artistique prend vraiment le dessus. On y voit aussi des états avant le passage au four, parce que les différents verres donc, sont peints, passent au four plusieurs fois selon les étapes de peinture. Ici, par exemple, on voit la grisaille qui est appliquée sur la partie verte et qui permet ensuite, quand on la gratte à certains endroits, de représenter très précisément les différents brins d'herbe. Ces considérations techniques qui se trouvent au centre de notre exposition nous permettent d'aborder mieux les œuvres qui gravitent tout autour et qui datent de l'époque romane jusqu'à nos jours. Ces œuvres sont rarement l'instantané d'un moment précis. Presque toujours, elles ont été remaniées, du moins déposées. On les déplace, on les restaure, elles changent de forme, et c'est ce que nous allons voir dans la suite de l'exposition. Ici, par exemple, nous sommes devant un splendide portrait d'une sainte qui n'a pas été identifiée directement, mais qui s'apparente fortement à la Vierge Marie. Son visage est peint à la grisaille, il est extrêmement expressif, et c'est caractéristique de l'art qui fleurit à la fin du XIIe siècle entre le roman et le gothique et qui rappelle, par sa frontalité, des œuvres antiques ou byzantines. Notre nouvelle exposition permanente intègre depuis peu les dernières recherches en histoire de l'art. En cliquant ici, le visiteur apprend que le reste du vitrail est pourtant le fruit du XIXe siècle. Ce moment où l'engouement pour ces œuvres médiévales se réveille et où nombre de parties de vitraux, qui étaient fragmentaires, qui nécessitaient des restaurations, se retrouvent remontées dans des nouveaux contextes. L'une des hypothèses de recherche est que cette reconstitution du panneau de Romont se soit inspirée d'une célèbre Vierge à l'enfant romane suisse, qui provient de la chapelle de Saint-Jacques de Greplang à Flums, dans le canton de Saint-Gall, et donc que, ce remontage du panneau de Romont soit postérieur à 1884, moment où elle a été découverte. L'art du vitrail médiéval est largement tributaire de l'Église, tant au niveau des thématiques, qui sont essentiellement religieuses, qu'au niveau de l'architecture, puisque durant l'époque gothique, les baies vitrées deviennent de plus en plus grandes, ce qui laisse de plus en plus de place aux vitraux et aux histoires qu'ils racontent. Nous sommes ici face à une représentation du matin de Pâques, qui s'inscrivait sans doute dans une fenêtre beaucoup plus grande,
qui rassemblait différents épisodes bibliques. Peut-être un cycle qui racontait la vie de Marie-Madeleine, ou alors un cycle dédié à la Passion. Selon l'évangile de Jean, Marie-Madeleine découvre le tombeau vide du Christ. Choquée, elle va chercher deux apôtres. Les hommes entrent dans le tombeau et Pierre s'approche des bandes de lin et du linge qui recouvraient la sainte dépouille. Pendant ce temps, Marie reste dehors et elle pleure la disparition de Jésus. Un instant plus tard, lorsqu'elle se retrouve seule, c'est à elle que se révélera le ressuscité pour la première fois. On est ici vraiment au cœur du mystère chrétien, ce moment où les compagnons de Jésus basculent dans la foi. Pas parce qu'ils comprennent rationnellement quelque chose à ce qui se passe, mais parce que quelque chose opère en eux, se transforme en eux. Ce vitrail provient de la fameuse cathédrale de Chartres, plus précisément de la toute première campagne de vitrage qui a eu lieu entre 1194 et 1240. C'est l'un des très rares vitraux de Chartres à avoir été déposé et que l'on peut donc voir de près, probablement au XIXe siècle, lors de la grande campagne de restauration de la cathédrale. C'est à ce moment-là aussi, très probablement, qu'on a donné à ce médaillon une forme ronde qui contraste avec la frise rouge et bleue qui marque la forme originale. Ces vitraux héraldiques sont souvent issus d'un contexte civil et les thématiques ne sont plus forcément strictement bibliques. Ici, nous avons une représentation de la charité, l'une des vertus théologales chrétiennes avec la foi et l'espérance. Et elle est représentée en train d'allaiter avec plusieurs jeunes enfants autour d'elle. Il s'agit d'un rare exemple d'un vitrail héraldique qui est conservé dans sa fenêtre d'origine. Il est même daté de 1636 et qui est composé de petites cives, donc du verre soufflé en couronne, dont le bord est légèrement replié et qui représente une bosse au milieu qu'on appelle également boudine et qui est due à l'utilisation du pontil lors du soufflage. Nous sommes ici face à une série de rondelles néerlandais que le Vitraumusée Romont a pu acquérir en 2019. C'est des rondelles dont on a perdu tout le contexte d'origine. Ils sont ni signés ni datés. Vraisemblablement, ils décoraient à l'origine des fenêtres de demeures bourgeoises. Il s'agit de véritables œuvres d'art peintes à la grisaille et au jaune d'argent sur des plaques de verre blanc. L'apogée de ces rondelles néerlandaises se situe plus ou moins au XVIe siècle et ils sont d'une finesse inégalée dans les arts du verre. Nous voyons ici un Saint-Jacques sur son cheval blanc, l'épée à la main. Et on le reconnaît grâce à sa coquille qui orne son chapeau, la coquille de Saint-Jacques. On se retrouve au cœur d'une bataille contre les morts que ce Saint-Jacques, l'un des 12 disciples du Christ, cherche à repousser d'Espagne en 844. Il y a vraisemblablement un anachronisme. C'est pas possible que Saint-Jacques vive aussi longtemps. Il s'agit en fait d'une légende inventée au XIIe siècle par un chanoine de l'église de Saint-Jacques de Compostelle pour pouvoir réclamer une offrande annuelle à toutes les églises d'Espagne. Néanmoins, cette histoire a été représentée par différents artistes et la recherche de la gravure qui a servi de modèle pour ce rondel va pouvoir nous aider pour la datation. La représentation la plus connue de cette légendaire bataille, qu'on appelle la bataille de Clavijo, est celle de Martin Schongauer. Mais, comme on le voit, elle ne correspond pas tout à fait. Déjà plus convaincante est cette gravure d'Aliprando Caprioli, un graveur italien qui a été actif à Rome, et cette gravure date de 1579. Les similitudes de la tenue de la tête du cheval, l'écharpe qui file au vent, le bras droit du guerrier qui prend son élan. Il faut savoir que les gravures jouaient le rôle de la photographie aujourd'hui dans la diffusion des œuvres d'art et circulaient dans toute l'Europe. On peut donc situer la date de ce rondel autour de 1579 en pensant que peut-être il s'en est inspiré.
L'importance du vitrail coloré a faibli au XVIIe et XVIIIe siècle face à l'engouement des fenêtres transparentes. Les progrès techniques ont permis des verres toujours plus grands, plus transparents et aussi moins chers. Mais la profusion de nouvelles techniques, des solutions techniques dans la production des verres permet aussi des nouveaux coloris, des nouvelles structures, et le tout de manière sérialisée et industrielle. C'est ainsi que le XIXe siècle redécouvre le vitrail coloré. D'une part, dans une perspective médiéviste, historiciste, avec un intérêt pour l'esthétique médiévale, et de l'autre, dans la volonté de créer du nouveau. L'engouement est alors généralisé dans le monde occidental, comme le prouve ici derrière moi des vitraux avec des influences du verre américain, des vitraux qui proviennent d'Angleterre, de Belgique, mais aussi de Zurich ou de Soleure. Le peintre verrier bernois Jakob Adolf Holzer, né à la fin des années 1850, est un bon exemple de ces trajectoires internationales à la fin du XIXe siècle. Après des études à Paris et à New York, il rejoint d'abord l'atelier de John Lafarge, puis celui de Tiffany à New York, avant de monter son propre atelier. Il reçoit de nombreuses commandes de différents États aux États-Unis. Il rentre néanmoins en Suisse en 1923. Alors qu'il est à New York, il réalise ces deux panneaux en 1912 pour l'église réformée de son lieu d'origine, Moseldorf. Ces deux panneaux sont intéressants car leurs sujets sont ce qu'il y a de plus conventionnel pour des vitraux suisses, avec un passage biblique en haut et la représentation de Saint-Georges en bas, l'un des saints les plus appréciés, et à chaque fois les armoiries de la famille de l'artiste. Il s'agit pour le vitrail du haut du semeur, la parabole racontée par le Christ dans l'évangile de Matthieu. Et d'ailleurs, il s'agit d'un autoportrait dans ce semeur. Et en même temps, ces deux panneaux utilisent des verres structurés et opalescents, fruits des techniques les plus modernes. On peut aussi comparer les effets de la superposition des verres, quelque chose de tout à fait nouveau par rapport au vitrail médiéval. Le paysage duquel se détache le semeur, avec des sapins et le chalet, a été recouvert d'une pièce de verre unique et légèrement laiteuse, ce qui donne une certaine unité au paysage et le fait passer un peu dans l'arrière-plan. On peut comparer ça au paysage qui entoure le Saint-Georges alors qu'il terrasse le dragon. Lui, il n'a pas été doublé et il est beaucoup plus présent. C'est ici plutôt le fond ornemental qui a été recouvert d'un verre légèrement structuré et qui atténue l'effet mosaïque que l'on voit autour du semeur. Nous voici ici devant un autre Saint-Georges, aux dimensions monumentales cette fois. Il s'agit d'une dalle de verre. C'est une technique développée dans les années 1930, qui coule directement des dalles de verre, donc des morceaux de verre de plusieurs centimètres d'épaisseur, dans le béton. Une technique qui a été très populaire dans la deuxième moitié du XXe siècle. À Fribourg, c'est le maître verrier de Villars-sur-Glâne, Michel Elchinger, qui a diffusé cette technique. Et c'est lui également qui a réalisé cette dalle de verre sur un carton de son ami Yoki. Cette œuvre marque la fin de notre parcours permanent dédié au vitrail, mais elle marque aussi le début de quelque chose, puisque c'est une œuvre qui a été offerte au musée pour son ouverture en 1981. Et c'est surtout l'idée même de ce musée, le musée du vitrail, qui remonte à son artiste, Yoki, qui s'est engagé pour le Vitraux-Musée Romont. Notre application de réalité augmentée Artifact vous permet de découvrir de manière ludique une foulée d'informations sur plusieurs œuvres phares de notre collection. Ici, par exemple, vous pouvez comparer le carton peint par l'artiste et l'œuvre finale. On y trouvera aussi des témoignages filmés de proches de l'artiste, notamment de Michel Elchinger, qui reflètent l'âme, la générosité qui porte le musée jusqu'à aujourd'hui.